Bonjour et bienvenue à Focus, l'infolettre de la Société Santé en français. Le 17 septembre est la Journée mondiale de la sécurité des patients. La sécurité des patients francophones étant au cœur de nos préoccupations, nous y consacrons cette édition de Focus. D'abord en vous invitant à suivre la Semaine nationale de la sécurité des patients, pilotée par Excellence en santé Canada, et aussi à devenir patient partenaire. Les patients partenaires francophones sont recherchés en Ontario et dans les Maritimes. Ensuite, en vous proposant des ressources sélectionnées sur le portail et dans la section « Partage de connaissances ». Nous soulignons également le fait que les barrières linguistiques sont un obstacle à la sécurité des patients. À cet effet, des pistes de solutions sont proposées, soit l'utilisation de la plateforme Accès Équité et du programme de reconnaissance des langues officielles, le PRLO, le tout afin de respecter les critères de la norme « Accès aux services de santé et aux services sociaux dans les langues officielles ». Ça y est, les inscriptions sont ouvertes pour le rendez-vous santé en français. L'événement aura lieu du 8 au 10 novembre 2022 en mode virtuel. Ce rassemblement organisé par la Société Santé en français et les 16 réseaux de santé en français du Canada réunira près de 400 partenaires de partout au pays. Ne manquez pas la conférence d'ouverture de M. Boukhar Diouf, humoriste et écrivain bien connu et aimé de tous. 60 conférenciers, conférencières et panélistes présenteront également les principaux enjeux en santé en français et les solutions déployées d'un bout à l'autre du pays. J'ai très hâte de vous y voir. Le prix Hubert Gaultier sera remis par la Société Santé en français à l'occasion du rendez-vous Santé en français. Ce prix souligne l'importance que revêt leur leadership dans la communauté francophone et rend hommage à des personnes qui se sont distinguées par l'expression et la réalisation d'une vision pour améliorer la santé des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada. Vous pouvez soumettre des candidatures jusqu'au 29 septembre 2022. Finalement, ne manquez pas le tout premier colloque francophone de leaders en santé, organisé par le Collège canadien des leaders en santé, qui se tiendra à Montréal le 29 septembre prochain. Ce colloque donnera aux leaders en santé l'occasion d'explorer divers thèmes et de tirer des leçons des défis auxquels ils font face. Merci de vous référer à notre infolettre mensuelle. La prochaine édition paraîtra le 4 octobre 2022. Je vous invite en attendant à nous suivre sur les médias sociaux et à visiter notre site web www.santéfrançais.ca. Pour connaître les ressources et programmes près de chez vous, contactez l'un des 16 réseaux de santé en français du Canada. Merci. Bonne lecture.